71. Du long numéro 71. Hasta la Victoria, une AQPS par American Post, les premiers AQPS, on va trotter. Ou on va marcher, enfin, excusez-moi, on va marcher. Marcher. En liberté, c'est bien aussi. Donc, hasta la Victoria, une fille de American Post, elle avec une mère par Saint-Dessin et Cadence. Il s'agit donc de la famille très connue de Bruno Vagne. Alors, dans cette souche, on ne peut pas tout résumer en une seule page, parce qu'elle est trop grande, cette souche, pour rentrer dans une seule page. Donc, on va à l'essentiel. Mikador, Concerto d'Haleine, Une Époque, et puis, double 07 en tant que premier produit de Vadance, cette fille de Saint-Dessin, elle-même issue de Cadence, nous est présentée par Benoît Dutray, qui nous vient de la région de la Côte d'Or également. D'ailleurs, les deux foals qui sont de part et d'autre du ring, du rond de présentation sur les rings, nous viennent de la même région, de la Côte d'Or. Ici, c'est Benoît Dutray qui nous propose cette Asta La Victoria, fille d'American Post. Donc la première génération, mais aussi la dernière génération d'American Post, qui ne s'est évidemment pas d'AQPS lorsqu'il faisait de la montre au Haras des Truands.